One more kiss, dear. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre deuxième séance d'illustration d'après Graham Humphreys. Il est très bon lui. Il fait tout à la gouache hein. Et il est bel et bien en vie. Il a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Je vous rappelle que les pinceaux aujourd'hui sont des pinceaux plutôt fins et un petit peu larges. N'hésitez pas à avoir plusieurs pinceaux fins. De l'eau, les couleurs sont les mêmes que la dernière fois. J'ai rajouté juste un petit peu de brun. Alors évidemment, toujours avoir sur soi son petit chiffon pour essuyer le pinceau. Alors, on commence. On va d'abord trouver un ton, un bleuté avec un tout petit peu de violacé et un tout petit peu de ce brun pour constituer une sorte de ton médian qui nous permet de réaffirmer le dessin. Ce ton médian, on peut le voir là, il est juste en dessous du noir, de l'accent noir qui est en dessous de la commissure de la lèvre inférieure. C'est ce ton-là, légèrement violacé, donc, qu'on va déposer partout plus tard dans tous les dessins, à la fois dessins de confirmation, mais également les dessins de détail. Alors tout d'abord, on va, comme on avait annoncé la précédente fois, rectifier le dessin et puis commencer à entrer dans les grandes lignes, pas encore les petits détails, par exemple dans les cheveux. Ça va venir plus tard. Alors d'abord, on s'occupe de ça, on essuie son pinceau si on doit passer à une couleur un petit peu plus foncée. C'est ce que l'on fait. C'est toujours quasiment la même, avec un tout petit peu plus de noir cette fois. Et donc on densifie le dessin, on va le corser un petit peu. Et pendant tout ce temps-là, on rectifie. J'ai rectifié un petit peu les contours. Je rectifie et précise ensuite les éléments principaux. Certains axes, par exemple, je m'étais rendu compte que les épaules étaient bien trop basses, il fallait les remonter. Je densifie un petit peu maintenant que j'ai ça sur le pinceau, également la couleur du vêtement. Et là, je reviens un petit peu également dans l'arrière-plan. J'avais envie de préciser un tout petit peu la maison, mais n'allons pas trop loin là-dedans. Restons un petit peu atmosphériques, comme ceci, car le plus important, quand même ici, c'est d'arriver à effectuer ce portrait, n'est-ce pas? Donc, nous rentrons également un petit peu dans l'arrière-plan pour redensifier également ce rapport, cette balance entre les sombres et les clairs. Un petit peu d'atmosphère quand même en dessous là avec les violacés. Et maintenant je vais recréer ma couleur, je vais saturer la couleur de la lumière car il faut saturer davantage. Sans parler du fait que la gouache a quand même tendance un petit peu à s'estomper comme ça. Voilà, je redensifie mais je ne vais pas absolument partout, je vais laisser des petites réserves aux endroits où la lumière sera la plus accentuée. Voilà, on va passer partout et on va la modérer s'il le faut. À certains endroits, elle est légèrement plus rougeâtre. Ma peinture est plutôt vive sur la palette. On essuie le pinceau quand on doit passer à la couleur suivante. Regardez là, je vais retravailler, redensifier, resaturer cette couleur de contre-lumière verdâtre. Allez, on y va. On le fait à chaque fois quand même avec des petits à-coups. Attention, il ne faut jamais y aller de pleine charge de pinceau. Il ne faut pas perdre ce qu'on avait fait précédemment. Il ne faut pas perdre le dessin, la structure. Je reviens de nouveau, cette fois avec un ton vraiment noirâtre, hein, assez sombre, dans les endroits de lumière les plus denses, les plus profondes.
Voilà, je reviens comme ça dans le dessin en dessous de la commissure de la lèvre, au niveau du nez. Tout ça, je pousse en fait un tout petit peu les frontières du dessin précédent, mais la base reste globalement la même. Je reviens dans l'œil, je me rends compte qu'il fallait faire des rectifications, il fallait davantage ouvrir la paupière, il fallait bouger légèrement également la pupille. Et là, je prends du blanc. Alors étrangement, ou pas étrangement, parce que c'est en fait illustratif, hein, le blanc de l'œil est très blanc. Alors j'ai pris un tout petit pinceau pour cela, et j'avais recréé donc de la blancheur dans l'œil. Voilà, maintenant, je vais rentrer progressivement dans les lumières les plus intenses. Là, j'ai fait cette lumière la plus intense qui se trouve à droite au niveau du visage. Je reviens dans les lèvres. Il faut essuyer de temps en temps avec la main, il faut estomper un petit peu, il ne faut pas hésiter. Et maintenant, je m'attelle donc à la réalisation des détails qui n'étaient pas présents précédemment. On avait juste un aplat. Maintenant, on va donc faire toutes ces petites rides, on va apporter de la définition, hein. Ce n'est pas de la rectification, là, c'est de la définition. Et maintenant, voilà, je fais les accents ultimes. Ça y est, j'attaque avec donc toujours le ton qui est présent, là, celui de la carnation, celui qui a été recréé. Mais j'y ajoute du blanc, comme ce que je peux constater sur le document. Et je suis finalement le relief. Regardez comme je suis le relief en fait du visage, de ce qui est proposé. Laissez toujours les accents ultimes pour la toute fin. C'est pas la cerise sur le gâteau, bah, elle arrive à la fin une fois que le gâteau est fait. Alors oui, là je fais un petit retour sur l'arrière, sur cette figure qui crie en arrière-plan, et je trouve que c'était pas terrible. Dernier retour également dans les zones les plus sombres, avec du noir, du vrai noir, là. Regardez comme dans le creux de l'œil, il y a du vrai noir. Dans les cheveux, cette fois-là, je peux mettre vraiment quelque chose de beaucoup plus détaillé avec le tout petit pinceau. Je le fais avec la pointe du pinceau. C'est vraiment une montée en puissance à chaque fois. À partir de quelque chose de global, des aplats, je vais dans un premier relief, dans un premier modelé, puis ensuite je reconfirme le dessin, puis ensuite je réaccentue. Qu'il s'agisse donc d'accents sombres ou évidemment d'accents très clairs. C'est quasiment terminé. Un petit retour dans l'arrière-plan, je vais reverdir les endroits au niveau de la maison. Et on va être bon. Alors, je parlais d'aller-retour constant, hein. On avait un aplat au niveau de la carnation de la lumière, puis on l'a redensifié pour ensuite réaccentuer dans les zones les plus claires après avoir posé le dessin de détail. Voyez comme nous sommes montés finalement en pâte sur les accents les plus forts, comme sur le bout du nez, etc. Regardez sur le nez, par exemple, il est assez important que votre accent voyage, hein. Voyez là, par exemple, il est extrêmement intense ici, puis ensuite il se réévanouit un petit peu pour ensuite avoir une petite pointe extrêmement forte comme ça, pareil sur les lèvres. Donc des allers-retours constants, il ne faut pas en avoir peur à partir du moment où la structure est gardée. Voilà. Voilà pour notre illustration. Elle est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu comprendre le processus. Ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est que nous respections donc la structure globale établie au départ. Voilà, à vous de jouer. À tout à l'heure.